bien. Comme chaque soir, la petite boutique du soir. Donc évidemment, il y a toujours, comme hier, le nouveau skin qui est sorti, comme je dis, un petit peu style pirate, mélangé d'un peu lutin avec ses petites bottines et son sac. Et vous avez également toujours son planeur qui va avec, qui est plutôt assez sympathique. Je trouve qu'il est quand même assez original. C'est plutôt original qu'autre chose. Personnellement, c'est... En plus, il y a des skins Saint-Valentin. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dessus, mais enfin, je trouve ça rigolo. Bref, vous avez également la petite pioche qui va avec le skin en question. Voilà, voilà, une achète. Vous avez toujours, pour ceux qui n'ont pas eu acheté la semaine dernière, pour la mission du JR, donc au risque, vous avez son petit planeur qui fait une traînée quand vous volez, etc. Avec les billets, ça fait toujours plutôt sympathique. Comme vous voyez, il y a les billets qui volent. Vous avez donc le skin que vous pouvez personnaliser 4 manières différentes, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, vous avez de retour un skin que je n'avais jamais vu en boutique. C'est la première fois que je le vois en boutique, celui-ci. Et j'avoue que je l'aime bien. Il y a un petit côté différent. Je ne l'ai jamais vu, enfin, j'ai vu très peu de gens jouer avec. Et personnellement, vu que c'est la première fois que je le vois en boutique, j'ai presque envie de le prendre. C'est dommage qu'il coûte 1500. Je vais réfléchir si je vais prendre ou pas, je ne sais pas. On verra bien, mais je trouve qu'il est sympa quand même. Il y a un petit côté motard, militaire, un petit côté, je sais pas, homme de la nuit un petit peu, avec ce côté noir sombre. Son casque avec sa petite, si vous voyez bien, il y a une petite lumière de laser, un peu commando et tout. Je trouve qu'il a un côté original quand même, ce skins là. Voilà, voilà, donc vous avez ce skin, je pense qu'il n'y a pas de planeur avec, non. Vous avez donc une nouvelle danse, que j'avais dit qu'il sortirait bientôt, une nouvelle danse. Là voilà, une d'entre elles. Plutôt assez sympa, enfin voilà, elle est pas pour mon style, mais si vous aimez bien, elle est à 800 V-Bucks. Si j'ai une danse épique, voilà, voilà. Vous avez donc la petite action flux de billets. Je la refais encore une fois. Vous pourrez vous croire dans les films de rappeurs ou le web de clip. Vous avez également la petite pioche flamant rose qui est assez sympathique, j'ai envie de dire. C'est voilà, on va écouter le bruit qu'elle fait. Écoutez, le bruit est plutôt assez normal. J'aurais un peu pensé faire un petit bruit d'oiseau, je sais pas, parce que bon, comme c'est des flamants roses, mais non, enfin bon, elle coûte quand même 1500 V-Bucks quand même pour une pioche. C'est donc épique. Vous avez également le petit skin qui est, j'ai envie de dire, c'est la troisième fois qu'il sort celui-ci. Décidément, ils n'arrêtent pas de le faire sortir. Le petit côté, voilà, commando, je dirais d'hiver, parce que c'est quand même un couleur assez grisonnant, qui fait penser un peu à l'hiver. Du coup, voilà, un skin son rare, à 1200 V-Bucks. Voilà, voilà. Si vous voulez voir de près. Avec ses petites lunettes, son petit casque, et tout. Qu'on dirait un casque pour écouter de la musique. Un mode aussi, parce qu'on dirait quand même un sort de casque audio. Voilà, voilà, un peu. Écoutez, voilà, militaire, hein, on va rien dire. Et son petit planeur qui peut aller avec elle, du coup, parce que planeur, je pense que c'est avec elle, il me semble, oui, en effet. Donc c'est pour les amants, voilà, son planeur à elle, au skin juste avant, c'est son planeur qui va avec. On va écouter le petit bruit du planeur. Voilà, pour lui, il est un peu pareil que certains planeurs normaux qui sont près du même style. Voilà, voilà, c'est les skins et OG et danse, donc de ce. Ce jour, et du coup, demain on verra ce qu'il y a au raccord. J'espère qu'il aura le skin que je voudrais bien. Je ne pense pas que ce soit encore tout de suite celui-ci. Je pense que demain ça va être les skins de Star. Je pense que ça va être cela qui sortira demain. Mais on verra bien, je ne suis pas trop sûr. Parce que évidemment, on a une journée d'écart par rapport aux Américains. Donc des fois, ils sont à l'avance de nous d'une journée. Bon, c'est pas très grave. Mais je sais pas, on verra bien ce qu'il y aura demain soir. J'ai hâte, assez hâte de voir que c'est évidemment le skin que je veux. Personnellement, qui est assez culte, je trouve qu'il a un petit côté différent des autres. C'est pour ça que je vais le prendre et c'est pour ça que je vais attendre celui-ci impatiemment. Sur ce, je vous dis à demain ou après-demain, enfin, du moins à demain pour la boutique, hein, du coup. Et je vous dis bonne game et puis surtout, comme je vous dis, profitez de la dernière semaine de la saison 5. Profitez à max de jouer, de pouvoir profiter de la saison de ville qui vont disparaître. Je vous dirai pas plus, hein, je vous verrai ça dans la prochaine vidéo. Je posterai sûrement ce week-end si j'ai
Je sais pas, c'est peut-être dimanche, demain. Je sais pas trop à quelle heure je vais la poster. Elle va être assez longue en plus, parce que là, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous dire. Je voulais attendre plus longtemps, mais vu que beaucoup ont déjà posté des trucs, que j'avais déjà depuis une semaine des informations, et même deux semaines, il y avait pas mal de temps que j'avais des trucs. Et je voulais pas tout de suite, j'aurais peut-être dû les mettre. Enfin bref, je vais pas raconter plus. Soit-il, je vous dis donc à la prochaine vidéo, et à la boutique donc demain soir. Sur ce, je vous dis donc peace les gars, et à la prochaine!